Caftan du Maroc est un événement émouvant et c'est une grande fierté pour tous les Marocains, pour tous les participants et pour tous les amoureux du caftan. C'est un événement qui permet d'ouvrir les frontières via les retransmissions télévisées et via d'autres médias. Il permet de porter haut les couleurs et les traditions du Maroc. Cette 20e édition qui illustre la dimension éternelle est bien particulière parce que pour ma mère, le caftan est une chaîne de créativité qui relie les générations du passé à la génération actuelle et puis aux générations à venir. Et en plus de la satisfaction de relever ce défi et de participer au caftan, s'ajoute une si belle date. On ne fête pas tous les jours 20 ans. L'inspiration de ma mère est multicanale. Elle se trouve un peu partout. Elle peut se déclencher par un simple jeu de couleurs, d'une belle étoffe, par des éléments figuratifs d'une belle pièce d'artisanat, ou tout simplement elle peut se déclencher aussi par une belle pièce d'art. Mais ce qui réveille réellement son inspiration et sa créativité, c'est l'état d'âme dans lequel elle se trouve. Et en général, elle est réceptive tôt le matin ou tard le soir. C'est des moments très, très personnels où elle conçoit et où elle finalise ses modèles. Donc, comme tous les créateurs, ma mère aime puiser dans la tradition et redonner vie à ces traditions dans une pièce unique au style contemporain. Elle est très exigeante dans la qualité et la richesse des ornements. Elle est aussi très attentive au bien-être des artisans avec qui elle collabore. Il est important que ces derniers conçoivent leur travail autant sur le plan technique que esthétique. Je tiens à remercier les équipes de FDM pour leur engagement passionné et leur dévouement pour cet événement.